Thank you very much. Je crois que je vais parler français si vous m'autorisez. Donc, tout d'abord, encore merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Paris. Merci aux modérateurs. Et c'est davantage un plaisir d'être dans une session avec Nino Stocchetti et Giuseppe Citiro. C'est, je pense, une première pour la SRLF. Et je vais parler d'AVC ischémique malin. Et pour simplifier un peu la tâche, je vais commencer par un cas clinique récent. La semaine passée, dans notre centre, un homme de 48 ans, pas d'antécédent connu, qui présente à 14 heures des céphalées, qui s'associe vers 5h30 de l'après-midi de nausées, de vomissements, sensation d'asthénie, raison pour laquelle il décide de se coucher, et il dort jusqu'à 19 heures. Au lever, la famille objective une révulsion des yeux, suivie d'un hémisyndrome droit, troupe phasique, vers 21h, appel des secours, arrivée des ambulanciers. À ce moment-là, le patient est jugé avec un Glasgow à 9, encore que difficile puisqu'il est aphasique, ne semble pas répondre aux ordres simples, il a une hémiplégie complète droite. Il vomit en jet, il est donc intubé et puis il est amené en salle de déchoquage vers 22h. Et puis, à 22h30, on fait un CT cérébral à l'admission. Et je vous montre ici l'angio-CT cérébral de ce patient où vous voyez très clairement à gauche un AVC ischémique avec en fait une occlusion dans les territoires superficiels et profonds liée à une occlusion de l'artère carotide interne gauche par une probable dissection qui est reprise en partie par le polygone de Willis et également. Donc c'est ici, et également une occlusion proximale du segment M1 de la cérébrale moyenne gauche. Au CT natif, il n'y a pas de transformation hémorragique. Voilà le CT de perfusion que nous utilisons beaucoup dans ces situations dans notre centre. Et je vais reparler un peu des CT de perfusion dans la prise en charge. Vous voyez ici la coupe dans la région gauche où il y a la majeure partie de l'AVC. Et vous avez en fait les trois séquences, le CT de perfusion, on injecte un produit de contraste. On mesure un volume, un temps de transit à partir duquel on calcule un débit sanguin cérébral que vous avez à gauche. Et vous avez toute cette grande zone en fait d'ischémie. Une ischémie qui est constituée puisque vous avez un effondrement du volume sanguin cérébral et une augmentation extrêmement importante du temps moyen de transit. Ce qui fait de ce patient, à plus de 6 heures du début des symptômes, signe d'ischémie constituée, à extra-réanimation, l'indication de thrombolyse n'est pas retenue, il n'y a pas de geste endovasculaire, il est transféré chez nous. Je ne vais pas parler, puisque ce n'est pas l'objet de thrombolyse intraveineuse et intra-artérielle. Je vais parler surtout du management en réanimation de ce patient. Et voilà le CT scan cérébral natif de contrôle à 12 heures, où vous avez c'est une grosse hypodensité qui est presque entière de l'hémisphère gauche, avec, et vous le voyez ici, vous avez un petit effacement de la corne antérieure ventriculaire gauche, un très léger déviassement de la ligne médiane, donc c'est un gros AVC, c'est ce qui définit un AVC ischémique important, malin, à risque d'œdème cérébral et de complications liées à l'œdème cérébral. Alors ici, les neuroradiologues décrivent absence de shift, il y a un petit déplacement de la ligne médiane. On fait un Doppler transcrânien, le même jour, il y a une recanalisation partielle, en revanche, il y a une subocclusion du segment M1. Et puis le patient intubé, on arrête la sédation et le premier examen clinique montre un patient qui semble être là, disons, il n'y a pas une aggravation en tout cas du Glasgow initial et nous suivons surtout la réponse motrice qui reste stable. Alors à partir de là, comment est-ce que vous allez agir? Vous avez la lésion primaire, le dogme en neuroanimation, lésion primaire dans le cas précis l'AVC ischémique. Et puis la lésion secondaire. Et c'est celle-là sur laquelle vous allez agir. Et schématiquement, je vais parler de l'œdème cérébral et de l'hypertension intracrânienne, de l'ischémie cérébrale secondaire et des troubles de l'autorégulation cérébrale, c'est-à-dire
le territoire cérébral qui pourrait être sauvegardé chez ces malades et les agresseurs cérébraux secondaires d'origine systémique, AXOS. Et je vais, si le temps le permet, parler surtout du problème lié à la glycémie et à la température. Œdème cérébral. Alors, la surveillance chez ces malades est avant tout une surveillance clinique et drivée par l'examen clinique, le scanner cérébral. Et la surveillance clinique impose le score de Glasgow et notamment la réponse motrice. Il faut surveiller toutes les heures ces malades et faire un Glasgow et surtout une réponse motrice systématique. L'examen pupillaire, bien sûr, et puis quand il y a une aggravation, recourir rapidement à un scanner natif pour voir s'il y a une progression de l'œdème cérébral. Quels sont les facteurs de risque associés à un effet de masse et un œdème cérébral? Donc AVC malin, c'est l'AVC qui va avoir un œdème cérébral et puis un risque d'engagement. Mais il y a des facteurs cliniques, c'est en fait le score de gravité initiale, hein, c'est le NIHSS, et donc qui est un score au niveau de la réponse motrice et puis de la réponse verbale et puis du réveil des malades. Et vous voyez que dans le cas précis de ce patient, le patient avait un score relativement élevé et il avait eu des vomissements à jet. Il y a des facteurs radiologiques. Je vous ai mis son scanner cérébral. Clairement, il y a une hypodensité qui touche plus de la moitié du territoire de l'ACM en CT scan. Et puis, il y a une atteinte de plusieurs territoires vasculaires, la carotide interne gauche et l'ACM. Il ne faut pas oublier non plus de parler, de toucher un mot des AVC cérébelleux. Et les facteurs associés au développement d'un effet de masse dans ce contexte sont des troubles de la vigilance. Là aussi, c'est en termes radiologiques, c'est une hypodensité importante, des signes, comme c'est le cas ici, de compression du quatrième ventricule, avec, et vous le voyez ici, une dilatation des cornes temporales, signant une hydrocéphalie obstructive, avec une compression, vous le voyez très bien, ce tronc cérébral est comprimé. Et puis, dans ces cas, il n'y a pas de doute que dans ce cas précis, il faut intervenir rapidement avec une chirurgie et une décompression. Il y a d'autres causes non cérébrales, c'est-à-dire d'une part cérébrale, c'est la présence de crise ou une transformation hémorragique, et puis systémique, c'est bien sûr infection, perturbation métabolique, on pense surtout à l'hyperglycémie, mais aussi aux perturbations du sodium, et puis des perturbations de la fonction cardio-pulmonaire qui peuvent altérer l'homéostasie cérébrale. Alors comment on traite l'œdème cérébral? Premièrement, il ne faut pas tarder quand il y a des signes cliniques d'engagement cérébral et bien sûr une chute du Glasgow et une anisocorie. Ça, c'est une urgence extrême, une emergency, comme disent les Américains, qu'il faut traiter agressivement par un traitement osmotique, le mannitol, qui va prendre de l'eau de ce cerveau. En alternative, on peut utiliser le sérum salé hypertonique. Il faut, si ce n'est pas le cas et si ce n'est pas déjà été fait, intubation, ventilation mécanique, amener suffisamment d'oxygène, faire une hyperventilation modérée transitoire qui va faire un effet vasoconstricteur et donc diminuer le débit et donc le volume cérébral et diminuer l'œdème. Et puis surtout, c'est la neurochirurgie en urgence et c'est la craniectomie décompressive. Il y a une très belle revue, très récente, effectuée par l'équipe de Cambridge, qui travaille, eux, dans la décompression dans le contexte du neurotrauma. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on enlève le crâne qui comprime le cerveau pour pouvoir laisser ce cerveau sortir. Et c'est, bien sûr, une mesure vitale. Alors, vous avez ici le schéma, il faut faire une hémicraniectomie large, il faut ensuite faire une duroplastie. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut baisser la pression intracrânienne. Et c'est très efficace. C'est une mesure très efficace. C'est très efficace pour baisser la pression intracrânienne. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire chez tout le monde? Alors, cette revue résume les quatre études, les trois grandes études plus une autre étude, qui sont randomisées et qui ont en fait tester l'effet de la décompression chirurgicale dans le contexte de l'AVC ischémique malin.
Alors, vous avez des, bien sûr ces trois grandes études, c'est l'âge, hein? Enfin, quand je dis grandes études, c'est pas des très grands, mais c'est les études les plus fortes en termes de niveau d'évidence. Et vous avez déjà âge 18, 55, 60, 60. Alors, celle-là, elle va jusqu'à 80. Et puis, si on prend ces trois grandes études, vous avez que c'est toujours quelque chose qui est précoce, en dessous de 6 heures, 12 heures, entre 12 et 36 heures. Donc, c'est quelque chose, et c'est le message, il faut aller vite. Donc, la chirurgie de décompression dans ce contexte doit être faite rapidement. L'outcome. Alors, outcome favorable, il y a un bénéfice sur la survie. Toute la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fabrique au bout, au niveau du patient. Parce que survivre, bien sûr, c'est une mesure vitale, mais comment vont survivre les patients? Alors, on n'a pas encore une réponse claire à cette question. Et puis, ça suscite un débat éthique important. Mais disons que on retient comme âge limite plutôt 55-60, mais maintenant il y a un deuxième essai qui amène l'âge à 60 ans. Dans notre centre, on a fixé la limite d'âge à 50-55. Bien sûr, il faut savoir si c'est le cerveau dominant. Et puis, les deux critères principaux sont en fait l'âge du patient. Et puis, est-ce que c'est dans la zone dominante ou pas? Donc, dans nos recommandations locales, on fait une discussion et un concilium s'il s'agit d'un patient qui a un âge supérieur de 50-55 et qui a un gros AVC dans la région gauche. Mais on pourra discuter parce que c'est un débat extrêmement long par rapport aux conséquences médico-économiques de la décision chez ces malades dont le pronostic reste quand même en termes neurologiques, encore incertain. Est-ce que c'est utile de monitorer la pression intracrânienne? Réponse, à partir de cette étude, non. C'est une petite étude, mais qui en gros montre un élément essentiel, c'est qu'il y avait plus de la moitié de ce petit collectif qui avait une pression intracrânienne monitorée en parenchymateux qui était normale, mais qui avait en fait des signes d'engagement, une déviation de la ligne médiane de plus que 5 mm avec des signes d'engagement au niveau uncal et un effacement des citernes, même deux qui ont développé une anisocorie. Donc on ne recommande pas le monitorage de la pression intracrânienne dans ce contexte. Si on envisage une craniectomie, il faut plutôt éviter de donner des antiplaquettaires qui peuvent entraîner des complications ou si elles ont été données, s'ils ont été donnés, transfuser les plaquettes. Ischémie cérébrale. Alors, je ne vais pas faire le débat de tout le concept de l'autorégulation cérébrale. Je vais surtout parler du concept de comment la pression artérielle s'adapte en situation d'accident cérébral, vasculaire et de lésion cérébrale aiguë. Ici, c'est une condition normale. Et en fait, quand la pression artérielle systémique, ici en abscisse, diminue, le cerveau va s'adapter en faisant une vasodilatation qui va faire que le débit sanguin cérébral en ordonnée va rester constant pour une variation grande de pression artérielle systémique, ce qui maintient en fait le débit au sein de ce cerveau. Ça, c'est la condition normale et donc le débit sanguin cérébral est constant. Ici, on a par contre, exagéré un peu, une condition où l'autorégulation est complètement perdue. Donc, pression artérielle systémique et pression et débit sanguin cérébral ont une relation linéaire ou presque linéaire. Vous avez une courbe ici qu'on peut imager par rapport à ce malade dont je parlais. Et dans ce cas, il y a un très grand risque d'hypoperfusion cérébrale pour une pression artérielle systémique inadéquate, insuffisante. Alors, je disais, cette hyperperfusion, on l'utilise beaucoup. Et ça, c'est, je dirais, l'image qui résume le mieux le concept de pénombre ischémique. Vous avez une zone ici au CT scan natif d'ischémie, d'AVC ischémique. Vous faites un CT de perfusion, donc de nouveau, vous injectez un produit de contraste, vous mesurez le volume et le temps moyen de transit, et vous avez le débit sanguin cérébral.
Alors, c'est pas compliqué de voir que cette zone bleue, le débit sanguin cérébral extrêmement bas, c'est la zone du centre, du corps ischémique. C'est une ischémie irréversible. Ça sert à rien de se battre et de monter la pression artérielle moyenne à 110 pour sauver cette région. Elle est perdue. Par contre, si vous regardez le débit sanguin cérébral entre ici, à droite et à gauche, vous voyez que ce débit est diminué par rapport à gauche. On est tous d'accord, hein, il y a plus de bleu et de vert. Il y a donc une diminution du débit. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau autorégule. Le volume homolatéral à l'ischémie est augmenté par rapport au contralatéral. Vous le voyez très bien, il y a plus de rouge. C'est cette vasodilatation dont je parlais. Et le temps moyen de transit à côté de cette ischémie est allongé. Ça, c'est la pénombre ischémique. Ça veut dire que c'est une zone d'ischémie potentiellement réversible, avec un débit qui est abaissé, mais pas complètement perdu. C'est celle-là que vous voulez sauvegarder, puisque ce patient, en l'occurrence, s'il perd toute la partie droite du cerveau, ben, c'est cuit. Alors, comment est-ce qu'on fait? On monte la pression artérielle. Le professeur Chité le disait avant, pour les hémorragies méningées, les patients ont une tendance à avoir une pression artérielle augmentée. C'est l'hypertension artérielle qui est en fait protective pour amener du sang à ce cerveau et à cette pénombre. Et vous avez ici une étude effectuée par des Allemands où les patients étaient monitorés avec TAM, pression artérielle moyenne. Ils avaient un capteur de pression intracrânienne, même si ce n'est pas recommandé. Ils pouvaient de ce fait calculer la pression de perfusion cérébrale. Et il faisait un Doppler transcrânien en mesurant les vitesses ipsilatérales du côté de l'AVC et contralatérales de l'autre côté. Vous avez l'effet de l'augmentation de la pression artérielle, hypertension induite. Et inversement, il faut éviter toute hypotension artérielle chez ces sujets. De manière générale, tolérer une hypertension artérielle, éviter une hypotension artérielle, hypoperfusion cérébrale avec des agents vasopresseurs, maintenez, très important, une volémie adéquate avec un remplissage vasculaire adéquat, des solutés isotoniques, cristalloïdes, de préférence un peu de lactate, c'est pas mauvais pour le cerveau, éviter colloïdes et albumine. Il y a une étude récente qui testait l'effet de l'albumine qui montrait plus de complications chez les sujets AVC. Et tolérer la pression artérielle, ça veut dire ne pas la diminuer, sauf si vous avez une transformation hémorragique, on va parler des hématomes intracérébraux, et ne la traiter que si on a des hypertensions extrêmes ou alors s'il y a des pathologies cardiaques associées. En premier choix, la bétalol. Alors, les axos, pour terminer, température et glycémie. Cette plaque est une plaque dérivée de recherche expérimentale chez le rongeur qui, à mon avis, illustre le problème de l'hyperthermie dans l'AVC, donc l'hyperthermie centrale. Vous avez un rat, vous lui faites un infarctus et puis vous le thrombolisez et vous diminuez le pourcentage de la zone infarctie. Vous faites ça à 37 degrés, à 38 degrés vous perdez déjà. Et à 39, en fait, l'RTPA ne marche pratiquement pas. Donc l'hyperthermie entraîne un effet délétère dans la reperfusion et pas seulement. J'aime beaucoup cette expérience clinique cette fois où le groupe écossais Soferer a mesuré par IRM la température dans différentes zones du cerveau. Alors dans le corps ischémique, à côté et en contralatéral. Alors, ce qu'ils ont vu, c'est que là où il y a l'ischémie, la température est plus haute, le cerveau chauffe, mais surtout, c'est qu'il y avait une association entre la température et l'outcome qui était forte et indépendante par rapport à la température contralatérale. Donc, en fait, les patients qui avaient une température à distance de l'infarctus plus élevée avait un risque plus grand d'avoir une expansion de l'infarctus et une progression vers un outcome moins favorable. Donc ce travail illustre l'importance de traiter la température. Beaucoup
d'études ont montré une association entre hyperthermie et mauvais outcome. Donc, on avait essayé de résumer des pratiques de prise en charge de l'hyperthermie en neuroanimation. Je vous recommande cette revue qui est apparue en 2010 en réanimation, où ben, ça dépend un tout petit peu des degrés de sévérité des patients. C'est clair que si vous avez un patient qui est éveillé, vous n'allez pas forcément le sédater pour le maintenir en normoterme, mais notamment les patients à risque, et l'AVC ischémique malin est un patient à risque, il faut être agressif. Un mot sur l'hyperglycémie, je pique 2 minutes, pour dire que l'hyperglycémie, définie dans le modèle expérimental comme une glycémie supérieure à 15 millimoles par litre, donc 220 mg par décilitre, aggrave la lésion, augmente la lésion de reperfusion et entraîne en fait aussi une perturbation dans la recanalisation et une perturbation de la coagulation. Donc l'hyperglycémie est mauvaise. En même temps, le cerveau a besoin de glucose. Le glucose lui est amené essentiellement par voie systémique. Donc il faut trouver une balance. Et plusieurs études ont montré que l'insulinothérapie intensive forcée est plutôt délétère pour le métabolisme cérébral quand on mesure dans le parenchyme cérébral la concentration de glucose extracellulaire cérébrale. Donc, modéré est mieux en termes de métabolisme cérébral régional que intensif. Et une méta-analyse, incluant aussi 3 études effectuées chez les AVC ischémiques, suggère absence d'avantage d'une insulinothérapie intensive versus modérée, plus d'hypoglycémie quand on fait une insulinothérapie intensive. Et puis pour conclure, cette étude française effectuée à la Pitié-Salpêtrière, l'insulin infarct, 180 malades, ils ont fait une insulinothérapie intensive versus conventionnelle avec de l'insuline sous-cutanée, avec une cible à 7. Voici les deux groupes, hein, 90 dans chaque groupe, et voici les glycémies du groupe conventionnel et du groupe intensif. Résultat, en fait, ben, il y a plus de progression de l'infarctus dans le groupe intensif, surtout chez les patients qui avaient une absence de recanalisation, comme c'était le cas de notre sujet initial. Donc prudence et plutôt faire un contrôle glycémique léger et modéré.